La noue. Ouais. Dans la partie haute, ça va quoi. En vrai, je pense qu'elle est morte, mais en haut, là, ça va. Je pense que c'est récupérable, ça quoi. Elle est dans quel état cette noue? Non, elle est mauvaise. Elle est mauvaise, mais tout le long. Ouais, étant donné qu'elle n'est pas en plus, elle n'est pas en chêne, tu sais, elle est en sapin, je pense. Ouais, ben, alors, ouais. Avec le temps. Mais tout ce coin-là a dû être fait en sapin, je pense. Ouais, parce que les chevrons étaient également en sapin. Ouais. Et tout est pourri. Et tout est en mauvais état. Reste pas à côté par contre. Ah, je vais le vider, hein, je vais aller en haut là. Ouais, mais reste pas trop. Je vais la soulever doucement, mais je sais pas comment elle va. Ah, vas-y, viens, c'est tranquille bon. Là. Oh, elle va venir facilement, attends, je vais doucement. Hop. Je vais le faire celui-là. Et il tient juste. Tout à l'heure, il tenait pas. Voilà. Et là. Plus bas, c'est bon. Bah, sur le pied, c'est tout. Il faut qu'on fixe le pied.
qui va faire un peu ça. Tu sais. Ouais. Automatiquement quoi. Vu que nous, notre point, on l'a un peu baissé. Et ici, t'as vu le haut, comment il est ici? Oui, il est pas en bon état. Hein. Non. Et comme ça, tu sais, je vais faire une mortaise. Ouais, dans ma pièce. Effectivement, c'est le mieux à faire. Dans le ciseau. Ici, ouais. Que tous les chevilles ici sont mortes, de toute façon. T'as du bois qui est sec. Après, je sens le rythme. Ouais. C'est un bon point. Oui. Alors, il faut que tu m'expliques comment tu tries tes ardoises. Ça va être pourri. Ça va, sera bonne. Au milieu. Et après, du coup, c'est rangé en quatre. De refaire la soufflette. Non, on n'est rien dedans. C'est encore. Là, je le porte en haut. Et je porte le côté. Là, il gratte un peu la nuque, peut-être. Mais... On doit descendre beaucoup, là, encore. Bah, dans ce cas-là, on lui fait un renfort qui accroche les deux pièces en même temps et le... On va essayer de gousser déjà. Non, ah, vache. Oui. Bon, attention, dans tous les cas, c'est à refaire après. Et alors, comment tu fais?
tombeau du pharaon, il y a une entrée près du tombeau. Ah non, c'est pas le tombeau, c'est dans le fruitier. Comment c'est ton prénom? Louis. Louis. Ma fille s'appelle Louise, tiens. Le but, c'est de mettre ton rang d'oubli. Il faut que ton rang d'oubli soit le plus droit possible. Pour pas que tu sois embêté avec les ardoises. Et comment vous les sélectionnez là, les... Comment les sélectionner, c'est-à-dire? Bah, comment vous choisissez celle-ci par rapport à l'autre? En fait, si tu veux, là, comme je disais, le but c'est d'avoir quelque chose d'homogène en gros. C'est la dépression de l'épaisseur en fait. Voilà, c'est ça. Plus tu veux être homogène, ou le, tu vois, après tu peux avoir une petite déformation, mais c'est pas grave. En fait, une ardoise comme ça, il n'y a aucune de droite. Ouais. C'est comme du caillou, c'est toujours tordu, c'est toujours carrossé. Donc, ça doit trouver celle qui remplace après dessus pour que ça passe sans que ça fasse ça ou sans que ça fasse ça. Ou... avoir une petite différence, mais c'est pas méchant. Et ça dépend de l'origine de la carrière aussi. Ouais. Après, même une ardoise, tu sais qu'une moyenne en grosse ardoise, elle va tenir encore très longtemps. Hein. Ouais. Évidemment, faut pas qu'elle soit.
Alors qu'est-ce que tu fais là? Je mets de l'acide. Tu mets de l'acide, pourquoi? Pour que l'étain et le cuivre puissent se souder en même temps. Autrement, ça pourrait pas se souder. D'accord. Donc tu en mets sur les deux parties? Bah, je mets les deux côtés, ouais, pour qu'il y ait une bonne capillarité dans la soudure. C'est la plus grande dans le monde. Ouais. Tu vois le plus pendu toi, contre le. Tu vois, tu vas sur toi. C'est comme ça, ouais. Ouais. De trop le marquer quoi. Voilà, là il sera pas mal. Et à lever tes premiers rangs, c'est-à-dire? Parce que mes ardoises, si tu veux, aient du pied comme ça en l'air pour pouvoir passer correctement le restant. Et en plus, ça empêche l'eau de passer si jamais. De remonter. Si jamais tu avais un grand afflux, voilà, c'est ça, de remonter. D'accord. Ouais.
Mais beaucoup, les trois quarts de l'eau, moi, tu veux, quand ils vont arriver sur l'arête de l'ardoise, ils vont faire ça. Là, là. Ici, elle va remonter. Ouais, elle va pas remonter, mais elle va suivre l'arête de l'ardoise. Elle va... Il faut rester naturel devant l'appareil. Exactement. C'est ça qui est compliqué, surtout quand on fait un gros plan sur le star. Il passait aussi. Qu'est-ce que t'as vraiment, t'as plus le chameau, là.
Tu n'auras pas besoin d'un saut, je pense pas. Si. Ah bon, bah nickel. Oui, je regarde. Hop, hop, hop. Oui. La pousse là, c'est bon. Hop, je sors plus là. Je t'enlève, ça y aura le joint après. Oui. C'est une question que tu me dis, tu peux en mettre plusieurs. Il y avait rien derrière ce que tu fais là. You're always looking so hard, I feel so blind. And all these streets keep killing me. I don't think I could be satisfied. Open your eyes, just for today. You'll be surprised, and nothing stands in your way.